Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder les énergies de votre semaine pour commencer. Vous avez une très belle carte avec Gaïa qui nous parle de fécondité. Donc des choses qui vont peut-être naître, grandir pour vous, en vous, dans votre vie intérieure, mais également dans votre vie extérieure. Ça peut être des projets qui s'installent, quelque chose qui grandit en vous. L'idée de faire pousser quelque chose, peut-être de s'occuper de son jardin aussi, hein, sur le plan très concret. Pour certains, ça va nous parler aussi d'une grossesse. On peut vous annoncer une grossesse ou vous pouvez vivre une grossesse. Vous connectez aussi à votre nature terrestre fondamentalement. On va regarder maintenant le message qui concerne l'équinoxe de printemps qui se réalise le 20 mars à 4h du matin, heure de Paris. C'est une énergie de fertilité également, hein, donc très en lien avec Gaïa quand même qui apparaît comme ça pour votre semaine complète. Fertilité, renaissance, croissance, on plante une graine là sur ce début d'année et peut-être on planifie également les 12 mois à venir. On va regarder quel est le message. Alors vous avez le basilic qui vous parle de confiance. Alors confiance en sa vision intérieure, vous êtes dans votre énergie hein, là à partir de cet équinoxe de printemps. Alors c'est vrai que on a ces énergies comme ça stimulées de Mars, stimulées indirectement hein, par le transit du Soleil en Bélier. Ça vient en écho à votre votre signe, et puis Mars entre en poisson, donc vient au trigone de votre signe aussi, ça va vibrer très très fort pour vous apporter beaucoup de vitalité, mais surtout une certitude, une confiance intérieure, une sérénité aussi intérieure qui va concerner votre confiance en la vie, en les projets que vous lancez, en les relations que vous êtes en train de construire ou que vous vivez, en l'évolution des choses pour vous. Donc votre vision intérieure est claire, vous vous connectez davantage à votre intuition aussi. Vous avez davantage confiance en vous, en tout cas sur les projets que vous lancez, sur les circonstances de votre vie. Et aussi fortement hein, quand même sur votre développement personnel, sur votre confiance en vous. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors, le lundi 18, oui, alors vous avez la grande prêtresse avec le masculin. Donc il y a vraiment une belle connexion, vous voyez, entre votre polarité féminine et votre polarité masculine qui se manifeste dès le lundi, dès le début de la semaine. Vous allez vous sentir centré en fait, voilà. Donc en capacité de grandir, de faire grandir les choses autour de vous. Et donc on a aussi cette idée de se sentir aligné et en confiance. Et ça prépare déjà l'arrivée de l'équinoxe. Ça prépare les énergies en vous pour vous sentir effectivement en pleine possession de vos moyens. Pour certains aussi, on nous parle de secrets qui ont été cachés, qui vont être peut-être révélés, potentiellement par le biais d'une action ou par un homme, une polarité masculine qui va peut-être vous connecter à quelque chose de non-dit. Peut-être que vous allez vous agir aussi pour reconnaître quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été formulé, un non-dit. Et pour certains aussi, vous êtes dans cette volonté d'aller vers de la spiritualité, vers quelque chose d'une connexion à l'invisible. Là, on attaque la semaine avec une lune en cancer aussi, qui est donc au trigone de votre signe, qui vous soutient comme ça dans ce mouvement d'exploration de soi, de sa base, hein, surtout de sa base, pour évoluer, pour s'ouvrir au monde et grandir d'une certaine manière. On a la lune qui sera en T carré au nœud sud et au nœud nord, le nœud nord qui est conjoint à Chiron et à Mercure. C'est important parce qu'il y a aussi des choix peut-être à faire pour vous sur ce début de semaine, des choix concernant vos peurs et votre volonté aussi de vous prioriser à nouveau. Il y a des blessures qui sont en train d'être guéries et vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir sur le plan émotionnel. Le trigone à Saturne apporte une force intérieure, cette idée de trouver son centre, hein, que je vous ai annoncé aussi dès le début, en rassemblant vos polarités masculines et féminines, en les reconnaissant et en les fusionnant, en trouvant son équilibre intérieur. Et puis le sextile à Jupiter, alors certes Jupiter est opposé à votre signe, mais cette lune au sextile de Jupiter, elle a un potentiel aussi de faire grandir les choses, de faire évoluer
Et donc, on est aussi dans cette énergie de fécondité, de se retrouver dans une forme de maturation, de maturité. Très, très belle énergie. Alors, sur le mardi 19. Alors là, on change quand même d'énergie. Il pourrait y avoir un événement qui vous met le doute, qui vous renvoie dans vos peurs, dans vos croyances limitantes. Et en même temps, c'est ça qui fait la richesse peut-être de votre expérience terrestre. Les souris, ça nous renvoie à un petit tracas, une déconvenue. Mais bizarrement, ça me dit que ça va venir appuyer sur quelque chose qui est encore à l'état embryonnaire. Alors, je ne sais pas, parce que là, j'ai quand même beaucoup de force, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a encore peut-être du chemin à parcourir, mais vous le regarderez avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sérénité, parce que vous êtes dans cette confiance de vous-même, hein, confiance sur alors, on me dit qu'il y a le... Il peut y avoir des confusions, en fait. Alors, des confusions, parce qu'on est encore sur la conjonction Soleil-Neptune. Et cette énergie est très puissante, on est sur la fin de la saison des poissons, c'est très puissant, mais s'il y a un doute, il y a un grain de sable peut-être dans les rouages, voilà, ça peut venir remettre en question quelque chose. Je pense que ça va être vite balayé, mais voilà, soyez conscients, je pense que vous allez regarder ça avec intérêt, comme un élément qui vous aide à aller vers votre abondance en fait finalement, qui vous aide à grandir encore, comme une étape qui est nécessaire à franchir pour comprendre encore plus finement et grandir et être dans cette énergie d'épanouissement personnel. Sur le mercredi 20, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est très très bien. Donc vous voyez, cette belle énergie de libération de l'équinoxe de printemps, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des choses à dire pour vous libérer votre expression. Pluton, le maître moderne de votre signe, est en Verseau, donc on est sur ces énergies de transformation là. On a le soleil qui arrive au sextile de Pluton, c'est ça. Ouais, ça c'est important hein, comme mouvement. Cet aspect sera assez bref, hein, il s'arrête juste sur la fin de la semaine, il va être là du début de l'entrée en fait du soleil en bélier jusqu'à la fin de la semaine, mais c'est très marquant en particulier pour votre signe, la volonté de transformer elle va être là, et ça donc vous l'affirmez, vous le dites, peut-être aussi que pour certains on est donc sur cette réalisation de soi, hein, cette affirmation de soi dans son individualité, mais également une nouvelle, alors c'est peut-être ça aussi, hein, cette nouvelle qui vient de l'extérieur, une nouvelle pas forcément un contretemps, voilà ce que je reçois, quelque chose qui n'est pas forcément plaisant, un reproche, ça vous révèle en fait à vous-même quelque chose, mais vous allez vous libérer, et vous savez en fait que vous êtes sur un nouveau chemin, donc ça file, ça glisse, et vous avancez sur cette nouvelle année qui s'ouvre. Sur le jeudi 21, votre pivot de semaine. Ok, alors on a un 2 de bâton avec la promesse. On est en train quand même d'évaluer, de regarder le pour et le contre par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement sentimental, mais également un engagement financier, un papier que vous pourriez signer. Vous êtes un peu sur les tractations. Vous allez vous connecter à votre intuition fortement, je pense, hein, pour prendre une décision, oui. Ça peut être sentimental quand même, mais je sens que vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Vous n'avez peut-être pas toutes les données, mais il y a du potentiel de croissance, là, clairement. Potentiel d'évolution pour quelque chose de solide. Après, c'est peut-être aussi un accord que vous faites avec vous-même, que vous passez avec vous-même, et vous êtes en train d'en négocier aussi les termes, de voir un petit peu ce que vous voulez. On est sur ces énergies de début d'année zodiacale, sur de la planification. Quels sont mes objectifs? Quels sont mes désirs? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Comment je me projette aussi? Voilà, on est dans des énergies résolument tournées vers l'avenir, mais également très ancrées dans le présent. On le voit avec le mur là, sur lequel s'appuie cet homme. Toute sa réflexion passée, toutes ces expériences passées qu'il éclaire aussi pour déterminer son choix. Sur le vendredi 22, donc on a le transit de Mars en Poissons qui vous est très très favorable. Le 9 de bâton et le soleil. Oui. Bah oui. Alors voyez, on revient quand même sur ces expériences de la vie qui sont éclairées comme ça, votre passé. Vous avez peut-être traversé des épreuves, hein, vous avez eu
des difficultés à remonter la pente, vous savez d'où vous venez, et ça va être très très clair pour vous, et ça vous pousse aussi à agir. Vous avez deux fois en fait des énergies solaires dans votre tirage, vous êtes déterminé à passer à l'action, peut-être pour vous protéger, mais également pour agir, pour terminer un cycle d'expérience qui est peut-être devenu lourd, fatigant. Vous êtes déterminé à agir aussi pour peut-être entreprendre des actions pour guérir aussi, voyez, parce que sur la semaine on a quand même Mercure qui est conjoint à Chiron et au nœud nord, c'est cette énergie de conscientisation des guérisons et des actions à entreprendre pour guérir. Donc peut-être aussi que là, voyez, vous avez besoin de guérir sur un certain plan et vous êtes prête à passer à l'action concrètement. Et c'est vrai que Mars apporte cette impulsion, donc oui. On est vraiment sur des énergies d'un potentiel d'action et puis de conscience aussi. Conscience et un désir de sortir d'une forme de crise pour aller vers la joie, l'épanouissement. Ça peut être sur le plan de la joie intérieure, une reconnexion à ses enfants aussi, son enfant intérieur, guérison des blessures de l'enfant intérieur, et également épanouissement sur le plan sentimental. Vous avez besoin, vous sentez que c'est le moment pour vous de passer un cap sur le plan sentimental. Sur le samedi 23, alors, il y a quelqu'un qui va ouvrir votre cœur, j'ai l'impression, moi. 9 de denier et le verrou, le cadenas. Oui. Vous êtes protégé, moi, j'ai l'impression, par une forme d'indépendance hein, émotionnelle et matérielle. Hein, ça a été important pour vous, vraiment, d'être comme ça dans la retenue, d'une certaine manière. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez lever les verrous. Quelqu'un va faire sauter les verrous de votre cœur ou de votre retenue. Vous allez vous ouvrir, vous autoriser. Après, c'est peut-être aussi que vous allez vers une personne qui va s'ouvrir à vous. Il y a peut-être une forme de résistance aussi. Mais face à la résistance que vous aurez en face de vous, vous êtes confiant et vous êtes vraiment dans votre centre, dans votre créativité, dans votre abondance. Vous sentez comment vous avez du temps aussi pour vous consacrer à la création. C'est très soutenant ici, hein, sur la semaine. On a de belles énergies qui soutiennent la créativité. Profitez-en. Profitez-en, peut-être qu'aussi un temps de blocage va vous amener justement. Vous pouvez pas bouger ou je sais pas, voyez, ça peut être la voiture qui est en panne ou quoi. Vous en profitez pour faire autre chose, pour consacrer du temps à une activité qui vous tient à cœur et qui sollicite votre imagination et votre créativité, votre vision intérieure aussi. Donc très très connecté encore à ce Mars en poisson, je pense, hein, qui stimule la créativité par le biais de l'imagination et des connexions, connexions au spirituel, à l'invisible, connexions télépathiques pour certains. Sur le dimanche 24, alors voyons, on passe du 2 de bâton au 3 de bâton, donc il y a un cheminement déjà et on voit qu'il y a une évolution. On s'ouvre, on explore quelque chose. La lune est au trigone d'Uranus. Lune en vierge, au trigone d'Uranus en taureau. Elle est opposée à Neptune également. Donc ça peut... Bon, alors vous êtes quand même très très bien positionné par rapport à ça. Mais il peut y avoir des confusions, des mises en tension aussi de votre inconscient. Et de vos désirs. Des désirs de votre âme. De l'appel de votre âme. Et là, on voit que vous récoltez quelque chose ou vous passez à autre chose. Donc, peut-être que vous allez quitter une situation pour vous ouvrir vers l'abondance, la fécondité. Vous avez quelque chose à récupérer, des épreuves du passé, peut-être tourner une page aussi. De toute façon, la lune au trigone d'Uranus, elle est très connectée aux libérations des peurs, hein, puisqu'on a également la lune noire, Lilith, au trigone d'Uranus. Ça, c'est... C'est important. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort aussi pour aller chercher l'abondance, hein, ou pour couper avec un lien difficile et lourd. Ça peut être un lien à une personne, ça peut être aussi un lien à une situation, un engagement ici, vous voyez. Donc en fonction de vos situations individuelles, on voit que vous évaluez. Donc pour certains, il n'y aura pas forcément l'engagement. Pas nécessairement en fait, on l'évalue. Et voyez que pour certains, en fin de semaine, il y aura une coupure, ou au contraire, l'ouverture d'un cycle d'abondance par rapport à cette promesse, par rapport à cet engagement. Que ce soit sur le plan amical, sentimental, relationnel, professionnel,
occupationnelle plus globalement, ou même vis-à-vis de vous-même, hein, parce qu'on a parlé de tout ce cheminement intérieur aussi, vous allez peut-être couper avec des croyances limitantes, on en a déjà parlé là, vous reconnecter à votre abondance, à tout ce que vous avez, tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous avez récolté jusqu'à présent, toute votre expérience de vie, voilà. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message concernant le café lune, on se retrouve le mardi 19 mars à 20h45. Pour donc le café lune, ça se passe sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description et je vous réserve une surprise, donc je vous invite à aller voir cette surprise. J'espère vous retrouver mardi. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.